Et bien salut à toutes et à tous, sur le Cyclex pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo un petit peu en enduro de nuit, c'est sympathique. En plus c'est assez gras, c'est sympa. Donc j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on a fait une petite vidéo ensemble. Et voilà, et j'avais 2-3 trucs à vous dire sur ce qui m'est arrivé depuis la fois où j'ai cassé... où j'ai cassé mon kitchen, où je me suis cassé la gueule dans les fonds, etc. Du coup, la petite moto a eu quelques petites modifications. Genre, on va commencer déjà par le principal. J'ai changé le guidon qui était plié en mode Harley Davidson. Du coup, j'ai pris un guidon Voca en 28. Donc, il y a mon très cher ami youtubeur Alexandre Loré, alias Babar, qui m'a passé des pontées en 28. Comme ça, ça m'a surélevé le guidon. Et je suis carrément mieux positionné maintenant. Puis bah, c'est tranquillou. J'ai fait ça, j'ai fait quelques petites modifs. J'ai un nouveau kit déco que je vous ferai voir dans une prochaine vidéo. Je compte faire une petite vidéo assez sympathique. Genre, vous voyez, en mode les trailers des films. Enfin, je verrai ça avec mes potes d'enduro, Gustave et Louis. Pour faire ça, pour faire un truc stylé. Et bon, voilà, c'est de la pure enduro, il y a des manches partout déjà. Merde, je suis coincé. Du coup, ouais, j'ai changé mon guidon, j'ai acheté des nouveaux protèges main Acerbi qui est en promotion sur 24MX. Franchement, c'est de la bombe. Je suis déjà tombé une fois avec tout à l'heure. Et franchement, ça tient super bien par rapport aux autres merdes de chez Wish à pas chier, et puis qui cassent en 2 secondes. Mes petits phares aussi qui sont... que j'ai pas encore fait de vidéo avec les petits phares. Donc j'espère que ça va rendre bien. On va monter par là, on va aller voir ce qui se passe par là. Voilà, il y a la montée là, il y a du quad ou quelque chose comme ça qui sont montés là. Oh, elle a gagné de la patate la moto. Oh, comment j'ai gagné la patate. Ouais, je me suis fort un peu. Donc je voulais faire une petite vidéo de nuit parce que là on est dimanche, il est à peu près 17h30. Et je me faisais chier. Du coup, aussi petite dédicace à Patrice pour son anniversaire. Donc bon anniversaire. Et voilà, voilà. Oh, j'ai fait me torcher la gueule. En fait, c'est tout nouveau. Là, en fait, je découvre la moto une deuxième fois. C'est une toute nouvelle moto. Enfin, toute nouvelle moto, non, mais le guidon, en fait, il a pas du tout la même courbure. Et franchement, ça me fait bizarre. Donc là il y a toujours le connard avec ses poteaux. Donc ouais, là je suis assez content de ma moto, donc c'est une petite vidéo, il n'y aura rien de, ouf. C'était juste pour vous dire que j'ai fait cette petite modification. Et de toute façon dans la vidéo où il y aura le trailer des modifications que j'ai fait sur la moto, il y aura tout expliqué, tout ce que j'ai fait sur la moto en 2018 pour que 2019 se passe tout à fait correctement bien. Ouais, je sais pas français, me semble les couilles. Non mais je veux dire, je vous ferai une petite vidéo, trailer, nouveau kit déco qui a été réalisé par moi et mon petit pote Louis. Donc je vous ferai voir ça en vidéo, peut-être mercredi prochain si tout va bien. Et puis voilà, voilà. Elle tire carrément mieux. J'arrive à monter dans les tours où j'avais jamais réussi à monter. Et oui, aussi pour vous dire, nouvelle tenue Thor,
complète avec flocage de mon nom derrière. Donc je peux vous dire que ça c'est sympa. Donc là on reprend le petit chemin gradouilleux. Oh, je suis vénère ce soir. Ça fait longtemps que j'ai fait la moto là, je peux vous dire je vais me faire plaisir. Je remets plein phare, parce qu'on voit mieux en plein phare. Putain, je vais dégueulasser ma moto. J'ai aussi augmenté dans les abonnés, ça fait super plaisir. C'est super sympa qu'il y a beaucoup plus de gens qui me suivent. Ça me donne envie de faire des vidéos. J'espère que la petite vidéo détection vous plaise. Et bientôt, il y aura une petite pêche à l'aimant qui va s'organiser avec les potes. Donc ça peut être très sympa en vidéo, ça. Et voilà, voilà. Là, c'est vraiment une petite vidéo solo, comme je vous ai dit, pour vous parler un petit peu, ça fait longtemps. Vous dire comment ça se passe, et puis du coup, tout va bien. Ma petite soudure que j'ai fait, la soudure à froid. Bah, ça a carrément tenu. Il y a eu des mauvaises langues, ouais, ça tiendra jamais. L'huile, elle va tout casser. Rien du tout pour l'instant. Vibration et tout, ça tient. Donc je me plains pas pour l'instant. Et puis on verra par la suite. Hein. Peut-être que d'ici 2-3 semaines, ça sera tout à fait enlevé. Mais bon, on verra bien. J'espère qu'on va y avoir la GoPro parce que là on a fait un peu nuit. J'ai rajouté les petites phares, des phares, mais je pense que je me rajouterai des LED sur le casque. Qu'est-ce que vous en pensez? Soit je rajoute une barre de LED juste là pour éclairer vraiment tout, soit je en mets une sous le phare, sur le casque. Je sais pas du tout. Là, on va remonter par ici parce que par là on y a passé tout à l'heure. Il y a un problème, j'ai un truc coincé. Les chemins ils sont pourris, ils sont gras, c'est trop bien. C'est kiffant sa mère. Ah ça fouette. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, en fait, c'est pas vraiment une vidéo, c'est une petite vidéo pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2019 et que tout se porte bien par vous. Et j'espère qu'il y aura des beaux achats de motos chez vous. Et puis voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ok. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, enfin faire tout ce qui est possible au monde imaginable pour me faire progresser dans le monde de YouTube. Sur ce, peace.